Les larmes de Claire, c'est grâce à l'attaque des rockers qu'on a eu l'explication. Voilà. Il faut que je te dise. J'attends un enfant. J'ai pensé qu'Antoine avait le droit de savoir. Quand même. Claire est enceinte. Non ! D'un Américain, Jérémy. La Bourgogne, grand-mère, cela paraissait tout indiqué pour se changer les idées. Charles, que diriez-vous de devenir grand-père ? Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme. Je crains bien de ne pas m'être montrée très adroite. Eh bien, si vous parlez de ce qui est beau, il ne reste que les jeunes filles. Eh bien, je regrette que vous n'en soyez pas une. Que, quelle que soit l'époque, le paysage est superbe. Ouais. Regardez, là, c'est quand même énormément d'allure, non ? Et c'est ici que Saint Bernard a prêté la seconde croisade. Et partout la foule. Bon, bien sûr, cette basilique a subi beaucoup de transformations au cours des siècles. Bon, au départ, le roman, puis le gothique, et puis... Mais elle est splendide, c'est quand même splendide, oui. Et puis alors, là, paraît-il, il y avait une fontaine miraculeuse qui guérissait de la teigne. Dommage qu'elle soit tarée, la fontaine. Tu vois, qui on y aurait plongé? Qu'est-ce qu'on paraît que tu craches pas aussi loin que moi? Bon, le garçon crache toujours plus loin que les filles. 300 grammes de bonbons, qu'est-ce que non? Ah, tu l'oxys. Vous remarquerez, là, sur la gauche du tympan... Je remarquerai, mon cher Charles, que votre fille a une influence détestable sur mon fils. Gaston ! Ouais, j'ai gagné ! Non. Si ! Mais vous n'avez pas honte ! Si c'était une canne épée, il n'y aurait pas une seule personne de vivante à 10 lieues à la ronde. Passe-moi celle-là, là, la dorée. Quand est-ce qu'on mettra les cadeaux? Bon, avant d'aller à la messe de minuit, je suppose. Et demain, tu m'accompagneras à la fête? Bah, je connais personne. Eh ben, je te présenterai. Et puis tu pourras te faire signer un livre par Desmogets. C'est un bon écrivain, tu sais. J'ai jamais rien lu de lui. Il est comment? Oh, premier contact, très ours mal léché. Mais quand on le connaît, ça s'arrange. Passe-moi l'étoile, là. Qu'est-ce qu'elle a, Claire? Je sais pas, elle est fatiguée. Je me demande où elle est, d'ailleurs. Ça fait une heure qu'elle complote là-haut avec ta mère et la mienne. Et figure-toi qu'on m'a fermé la porte au nez. Qu'est-ce qui te prend? Où vas-tu? Je vais prendre l'air, j'étouffe. Adrien, soyez un peu ce que vous faites pour une fois. Vous êtes en retard? Oui, je veux dire par rapport à hier.
Ce serait dommage que vous partiez. C'est presque le bon moment. Le bon moment? Celui de compter les lumières. Ah, vous faites ça, vous aussi? Tous les enfants de Neuilly l'ont fait un jour ou l'autre. Et cette colline a poussé là pour ça. Je crois que ceci vous appartient. Je l'ai trouvé hier après votre départ. Moi, j'ai rien lu, promis. Alors, place pour le spectacle? Vous êtes de la région? Pas moi, grand-mère. Ah. La grande maison là-bas, vous voyez? Je vois, oui. Et vous? Mes parents sont d'ici. Moi, j'étais pas revenu depuis bien, bien longtemps. Oh, regardez! La première. C'est celle d'une chambre d'enfant. J'aperçois une toute petite fille qui met ses souliers devant la cheminée. Pas ses souliers, ses bottes, pour avoir plus de cadeaux. On voit, vous vous y connaissez. Et là, c'est la lumière d'une cuisine. Il y a une bûche de Noël posée sur la table. 1 mètre de long, avec une procession d'escargots en meringue. Oh, et là, 3 à la fois. Un grand salon. Oh, une grande famille, au moins 12 personnes pour le réveillon. Ben, comme chez vous, peut-être. Peut-être. Vous les voyez? Je vois une de ces personnes. Une qui en a marre. Elles viennent claquer la porte. Ah. Oui. Besoin d'air frais, quoi. Ça arrive. Vous savez, Noël, c'est pas forcément la fête pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui souffrent. De mauvaises nouvelles annoncées. C'est vrai. Et dans ce cas-là, vous savez ce que c'est? Un Noël sans tréma sur le E. Et un Noël sans tréma sur le E, ça devient un jour comme les autres. Vous n'avez pas remarqué? Si. Mais attendez, je la vois revenir, cette personne qui en avait marre. Elle a les joues toutes rouges de froid. Ça va mieux. Elle a souri. Et la voilà qui rit maintenant. Promis. Bon, il faut que j'y aille. Ce soir, messe de minuit et réveillon. Et demain, il y aura fête à Noyères. Vous êtes au courant? Oui, on m'en a parlé. Il y aura un type qui signera ses livres. Une espèce d'ours mal léché, paraît-il. Paul Desmogés. Il y a 12 ans, lors d'un Noël sans tréma, ma carrière de champion de natation s'est terminée quelque part par là. Je faisais partie de l'équipe de France de natation. Enfin, les journaux ont parlé d'un stupide accident de chasse. Ils ont dit aussi que j'avais eu de la chance de conserver la vie. Si je vous disais que depuis ce jour-là, j'avais pas remis les pieds à Noyères. C'était la première fois hier. Et voici que, suivant l'étoile, 3 grands rois vinrent s'agenouiller devant l'enfant Jésus, nouvellement né des chastes entrailles de Marie.
Voici le roi Melchior, venu de Palmy, avec un coffret d'or. Voici Balthazar, portant la myrrhe, plante de l'éternité, et qui, pour adorer le Fils de Dieu, a marché plus de 100 jours. Voici enfin Gaspard, portant de l'encens, venu des sables du désert. Et si nous parlions de la joie? Quel dommage que Bernadette ne soit pas là. C'est vrai, chez les Saint-Aimant, c'est sacré. Et ici alors, c'est pas sacré? Tu n'as pas froid, ma chérie? Ça va, maman. Mouton aussi, il a dit son chapelet. Oh, et la Vierge Marie, non mais vous avez vu de quoi elle avait l'air. C'est une sacrée bonne vivante. Je rappelle d'où, c'est une kiosque, la connue. Ah. Si, et puis j'ai trouvé ça très long. L'année prochaine, je reviens pas, moi je resterai. Vous vous sentez bien, ça va? Ça ira mieux dans une minute. Mon Dieu, bénissez ce repas. Donnez du pain aux gens qui n'en ont pas. Acceptez, comme nous allons le faire, dans la joie et dans la paix, l'enfant de Claire. Eh bien, Alexis, qu'est-ce que tu attends pour nous faire goûter ce vin? Ouais. Non, 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 pas celui-là. C'est pour le cuisson sanglier. As-tu pensé à un nom, ma chérie? Un nom? Non, grand-mère, pas encore. On pourrait l'appeler Alexis. Il n'y en a pas dans ma classe. Tu permets qu'on utilise ton nom ou c'est comme tes organes? Je permets. Puisque l'emprunt aura lieu de mon vivant. Du moins, je l'espère. Serait-il possible de savoir? Ma chère Philippin, si à l'occasion de cette grande nouvelle, vous ne buvez pas un peu de cet excellent vin, vous me ferez beaucoup de peine. Une larme. De joie, bien entendu. Cela va sans dire. À toi, Claire. Mais elle n'est pas mariée, Claire. On ne parle pas la bouche pleine. De toute façon, le mariage, c'est périmé. Un vieux truc hors d'usage. Comment? Réagissez, Adrien. N'oublie quand même pas que ce vieux truc hors d'usage est pour l'instant le meilleur moyen de rendre les enfants heureux. Enfin, moi, je voudrais bien savoir. On dirait qu'il y a du nouveau dans ta sauce, hein? Oui, madame. Mais il n'y a pas que dans la sauce qu'il y a du nouveau. Parce que pour du nouveau, il y en a du nouveau. Enfin, pourrait-on savoir qui est le père? Le père? C'est pourtant un élément de la famille auquel, généralement, vous n'accordez pas une grande importance, Philippin. Alors je ne permettrai pas... Philippin, vous nous emmerdez. Eh bien, en attendant que Claire trouve un père à cet enfant, je vous propose que nous le soyons tous. Voilà. Et maintenant, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, joyeux Noël. Tiens, voilà, j'espère que tu seras contente, mon petit. Pauline, Pauline, viens, ma chérie. Tiens, ta petite enveloppe. Hein? Achète quelque chose. Pour le grand plaisir. Cécile, viens, ma chérie. Tiens, ça, c'est pour toi. Hein? Ce que tu voudras. Si tu veux, je peux me confier l'enveloppe.
Bernadette. Oh, la garde, hein. Oh, c'est madame qui m'a gâtée comme ça. J'exemple. Ah, c'est superbe. Merci, ma chérie. Gaston. Allez, viens, mon petit bonhomme, voilà. Merci, grand-mère. Adrien. Merci, maman. Tu devines? Oui, je crois. Alors, ma petite chérie, bon Noël. Avec un tréma sur le E. Regarde. Mais qui m'a offert ça? Tu vois, la cloche à orage. On dirait qu'elle fonctionne toujours. Je t'en supplie, j'ai besoin de cet argent. Il faut que tu me le donnes. Je te rembourserai. Mais toi aussi, tu as eu de l'argent de grand-mère. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Je peux pas te le dire. Je te verserai des intérêts. 14%. C'est vital. Ça pourra aller avec 12%. Oh, merci! Vital. Tu n'as pas l'air de te rendre compte, c'est un écrivain important. Je lui ai parlé de toi, il a très envie de te connaître. Moi ? Je t'offre un exemplaire de son dernier bouquin. Bonjour Pauline. On dirait que vous êtes encore en retard. C'est pour vous. Non merci. Mais Pauline! Ça vous tiendra toujours au corps pour la route. Habitant du cru? Non. C'est monsieur Adrien qui me les a rapportés. Il a ses coins. Ah! Et peut-on savoir? Le cimetière. Il paraît que ça pullule. Il voulait que je les fasse pour le jour de Noël. Ah, j'ai dit non, merci. Et pourquoi ça, Henriette? Parce qu'on ne mange pas son prochain le jour de la naissance de Jésus. Qu'en plus, toi, tu pars. Et mes malades, qui les soigneraient? Et en plus de quoi? De rien. De tout. Thank you.
Cécile, tiens plus fort, tu me laisses tout le poids. Quelque chose va pas? Non, non. Ah, tire pas. C'est pas le jeu, j'ai la poirette qui colle. C'est vrai, on me donne toujours la poirette qui colle. Un poil. Alexis, un peu tenu. Pour en emmener le jour de la Saint-Placide. Hein? Allez, attention. Mais les enfants, un peu de calme, on peut pas lire. Et attendez. Hein. Attention, tonton. Non. Eh, monsieur, pour madame. Eh, pas de jeu. Ah, monsieur, quel monsieur? Vous voyez bien que nous sommes occupés. Moi, je veux continuer. Allez, mais... Maman, attends. Je commence à me demander si vous viendriez. Bonjour. Maman, c'est Antoine Delaunay. Je t'ai parlé de lui. En effet, monsieur. Il paraît que vous faites des sauces remarquables. Bonjour, Antoine. Bonjour. Docteur Delaunay, mon oncle. Bonsoir, monsieur. Ça va. Il se porte bien. Et moi aussi. J'en suis très heureux. Sachez-le. Je suis vraiment très, très heureux. Voyez-vous, monsieur, dans la vie, j'ai pu constater une chose. C'est qu'un arbre planté dans le bonheur tient le coup beaucoup mieux que les autres. On n'a jamais su pourquoi. Bon, monsieur, moi, je voudrais bien savoir quelle chambre je dois préparer. Celle des fêtes, bien sûr. Marseille, 31 décembre, 16h30. Demain. Mais c'est pas possible. Dijon, Marseille. Qu'est-ce que tu fous? Rien. Papa, il revient bien demain passer le réveillon avec nous. Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, pour savoir. Ondine, tu viens?
fait là? De l'oncle Marcel. Je l'ai trouvé au grenier. Il avait tellement froid. Quand on l'a trouvé, eh ben, il n'avait qu'un pyjama et un imperméable même pas à lui. Quand vous l'avez trouvé? Gaston et moi. Gabriel, je t'ai apporté un peu de bouillon bien chaud. Absolument, tu boives. Comment veux-tu aller à Marseille si tu ne bois pas? Il ne peut pas. Tu vois bien, il étouffe. Mais hier, il a mangé. Il allait mieux, je t'assure. Il avait presque plus de fièvre. Ce soir, je te jure qu'il en a. Il faut prévenir quelqu'un. Non, surtout pas. Si on avertit, ils vont le reprendre. Je vais t'aider, je te promets. Mais qui est-ce? C'est Gabriel. Il se cachait dans un tunnel. S'est échappé d'un centre de rééducation. Et après, quand on les reprend, eh ben, ils font un mois de cellule, tout seul, dans le noir. Et combien de temps tu te caches dans cette cabane? Depuis la veille de Noël. On a acheté un chauffage. Cécile, va vite réveiller Alexis qui l'amène sa voiture. Le plus près possible d'ici. Faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Mais on ne peut pas. On ne peut pas le soigner à la maison. Non, il est pas malade. Allez, dépêche-toi, Cécile. Pauline, tu veux m'aider? Vous en faites pas, mon vieux, on va vous tirer de là. Ce sera bientôt au chaud dans un lit. L'hôpital est loin d'ici? Je connais un raccourci. Pauline, je pense que tu devrais avertir ta mère. Il n'y en a plus que pour Claire. Les autres peuvent en baver, mais tout le monde s'en fout. Cécile, ça fait une semaine qu'elle bouffe rien. Qu'elle rigole plus, qu'elle a des yeux comme ça. Mais Claire et Antoine, Antoine et Claire, on regarde rien d'autre. Quel âge a-t-il? En tout cas, pas celui de crever. On fera tout pour l'en sortir. Tout. Je te le promets. Quand je pense qu'on ne m'a rien dit, une potiche, voilà ce que je suis. Non, 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 Adrien, n'essaie pas de me démentir. Je suis une potiche, voilà tout. Personne aujourd'hui ne m'empêchera de prendre du café. Mais enfin, vous savez surtout qu'on ne me parle pas de mon cœur. Alors? Oh, très brillant. On parle de pleurésie. Antoine va nous rappeler. Savoir de qui vous parlez? Un jeune homme qu'on a dû envoyer d'urgence à l'hôpital. Un jeune? Quel jeune? Un gentil. Comment le sais-tu? C'est Cécile et moi qui l'avons trouvé sous le tunnel. Milliard de Dieu, ce café! On l'a attendu assez longtemps pour pouvoir le déguster en paix. Ah. Donc si je comprends bien, vous avez trouvé un jeune homme sous un tunnel. Et vu la saison, comme il avait plutôt froid, on l'a ramené ici. Ici? À la maison? Enfin, presque. Avec l'aide de Gaston, évidemment. Et je suppose sans prendre l'avis de personne. On avait trop peur de vous. C'est moi qui faisais le lien. Tu n'as jamais entendu parler de délinquants? Ou de drogués, non?
Philippin, si vous appreniez à juger avec votre cœur plutôt qu'avec vos oreilles, si Cécile avait eu la bonne idée de me présenter ce jeune homme, c'est avec joie que je l'aurais accueilli à cette table. Avec nos enfants? Vos enfants, enfin le nôtre, ne vivra pas toute sa vie sous votre jupe. D'abord Claire, enceinte d'on ne sait qui. Mais tout le monde a l'air de trouver ça parfait. Et maintenant ce clochard. Heureusement que tu ne m'as rien dit. Sinon j'aurais averti la police. Ma chère Philippin, si je me souviens bien, l'ancêtre dont vous êtes si fière, Antime de Vordorin, considérait le droit d'asile comme le premier devoir à exercer dans sa famille. L'auriez-vous oublié? Je ne me laisserai pas insulter davantage. Venez. Eh bien, vous ne m'avez pas entendu? Et vous? Vous vous laissez faire, comme d'habitude? Comme d'habitude. Je vous conseille vivement de rentrer chez votre mère, à Dijon. Je crois que vous regrettiez vivement de ne pas passer le réveillon du premier de l'an avec elle. Moi, en tout cas, il y a une chose que je voudrais bien savoir. C'est s'il faut encore que le docteur Moreau doit apporter soir, c'est pour le réveillon ou pour le déjeuner de demain? Attendons déjà d'être sûrs que le docteur Moreau ne l'oubliera pas, comme l'année dernière. Il va crever, hein? C'est ça? On fait tout ce qu'on peut pour lui. Je connais. C'est toujours ce qu'on dit quand c'est foutu. Oh! Rester 5 jours dans cette cabane pourrie, ça a pas dû arranger les choses. Tu sais, il était déjà très malade quand tu l'as trouvé dans ce tunnel. Au moins, il aura trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui. Toi, dans ton camp, quand t'étais prisonnier, tu m'as bien dit qu'il y avait des tuberculeux. Ouais. Il n'y avait pas de chauffage, bien sûr. Puis les Allemands, ça m'étonnerait qu'ils les aient soignés. Pourtant, ça arrivait qu'ils s'en tirent. Ça arrivait, mais pas souvent. Il arrive à quelle heure, papa? Ben, dans l'après-midi, je crois. Eh ben, il a intérêt à se grouiller. Lui, je suis sûre qu'il saura. Hé! Hey, eh ben, où vas-tu? Attendre mon père! Toi? J'ai pris une femelle. C'est plus tendre. Tu vas me découper ma truffe. Mais fais attention, pas de gâchis parce que j'en ai pas de rechange. La cuisine, c'est important. Qu'est-ce que tu crois? C'est d'abord avec ce qu'on leur met dans l'estomac qu'on soigne les gens. Mais il y a aussi la façon d'y mettre, hein? Faut pas croire. Ça y est. Ben, tu vois, ma truffe, si tu l'avais coupée n'importe comment, sans y penser, eh ben tu volais toute l'âme au plat. Ah, oh, c'est pas difficile de faire des enfants. Mais il faudrait peut-être y penser après. Hein? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur offre? Plastique? Surgelé et compagnie? Puis la maison, ça veut plus rien dire. Plus de présence, plus de chaleur. Allez donc, chacun pour soi. Ah, ces pauvres gamins, comment veux-tu qu'ils s'en tirent? Tu sais, en ce moment à Dijon, enfin à l'aéroport de Dijon, il y a un passager qui manque dans l'avion pour Marseille. Dans ces cas-là, on l'appelle dans les haut-parleurs. C'est certainement le dernier appel. J'ai oublié ma crème pour ma sauce. Tu veux pas aller me la chercher? Hein? Tu me la prendras dans le bas du village, hein? Je te presse pas pour rentrer, hein? Tu lèches un peu les vitrines pour moi. Thank you.
Pauline. Vous venez? Je vous en prie. Alors voilà, je suis revenu tous les jours ici. Mais plus personne pour compter les lumières avec moi. Non, vous aviez raison. Je me suis conduit stupidement. Vous saviez ce que disait mon père? Avant d'entamer la nouvelle année, fais la paix avec tes ennemis, comme ça l'année qui vient sera plus légère. Alors tout à l'heure, j'ai appelé chez vous. Vous avez appelé? Vous veniez de partir, mais Noyers n'est pas si grand, je vous cherchais. Oui, j'avais besoin de marcher, de voir un peu la fête. Mahler, chanson pour un enfant défunt. Finalement, ça aurait été un Noël sans tréma. Sans tréma du tout. Mais ce sera peut-être un bon 1er janvier. Est-ce que l'ours mal léché a le droit de faire un vœu? Ne changez pas, Pauline. Restez comme vous êtes. Si vous saviez, ça faisait si longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un de vrai. Vœu annexe, quand vous serez rentré, appelez-moi là. C'était à moi de partir, pas à lui. Avec une vieille carcasse comme la mienne. J'avais cru comprendre que vous croyiez en Dieu. Je pensais que pour vous, il était évident qu'après une vie de chien, on avait une chance de se rattraper un peu là-haut. Il y a intérêt. Moi, je peux vous affirmer une chose. Quand tout a été fini, il souriait. Et toi, écoute-moi bien. Plusieurs fois, il a dit ton nom. Tu l'as aidé vraiment. Je sais pas ce que j'ai foutu avec cette putain de fermeture qui arrête pas de se coincer. Tu peux me la ranger? Bien, on va étudier ça. Alors, voyons. Qu'elle est coincée, c'est vrai? Ah, ah. Et voilà. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon bain avant l'année prochaine? Mais dépêche-toi, on va rater le premier coup. Bonne année tout le monde. Bonne année maman. Oh, pas tous à la fois. Ne gâchez pas le plaisir, mes enfants. Bonne année. 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 Je te souhaitais, ma chérie. D'être une écrivaine célèbre, comme Paul Desmoget. Compte sur moi. Et tu parleras de quoi dans tes livres? De tendresse. Ah, alors de nous, j'espère. Et n'oublie pas ta sœur préférée. Et ton cher cousin Gaston. Et les escargots de Bourgogne. Et Gabriel,
et débrouille-toi pour qu'il vive toujours. Plastique, c'est dégueulasse jusqu'au bout. Garde-moi ces flammes. Dégueulasse. Antoine veut m'épouser et reconnaître l'enfant. Que demande le peuple ? Le peuple s'interroge. Je croyais que tu l'aimais. Justement. Le mariage, c'est long. Pas envie qu'on se déchire à vous. Mais alors, qu'est-ce que tu voudrais ? Vivre un peu avec lui, comme ça, pour voir. Mais Antoine, c'est la bague au doigt ou rien. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, il est chiant, il veut un père. À un moment, j'ai cru que tu étais un peu amoureuse d'Antoine. Antoine? Mais t'es folle. Il est bien trop sérieux pour moi. Et puis, n'oublie pas que t'es d'une autre génération, ma vieille. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? J'avais dit que je me chargerais de ça. C'est qui? Personne. Tu me raconteras. Ce soir, nous repartons pour la Marette. Je ne peux pas croire que les jours rallongent déjà. Presque 5 minutes par jour. C'est énorme. L'enfant de Claire naîtra en avril. En avril, comme par hasard, Gabrielle aurait eu 20 ans. Parfois, j'ai envie de crier. De toutes mes forces. Et je ne sais même pas si ça serait de souffrance ou de bonheur. Oh, vous savez, monsieur, le mariage, pour vivre à deux, c'est plus tellement indispensable. Un peu de champagne, madame? Ma femme ne boit que de l'eau minérale. Voilà, on a réussi à sauver ça. Ils sont comme des loups. Que raconte cette mignonne petite fille? Elle dit que marier deux heures à la fois, ça n'est pas drôle. Pouvez-vous me mettre ça par écrit? Tu sais, je suis très contente que tu l'aies décroché, ce bac. Et maintenant? Une école de journalisme. Mais ça n'a pas été simple avec les parents. Oh, Gabriel! Dis-moi, ils sont au courant? Que la mère est une des mariées? Non, pas tous. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on le planque? À qui donc appartient ce charmant enfant? À Claire, l'aînée de mes petites filles. Pouvez-vous me mettre ça par écrit? Vite, ça va.
C'est chouette, un pack de nouveau, on pourra cacher des œufs dans le jardin. Merci, oui. Il paraît que si je veux, je peux m'installer dans la chambre de Claire. Non, merci. La tienne non plus. Compte pas sur moi pour que je te la prenne un jour. Si tu crois que je suis prête à te la lisser. Salut les filles. Salut les comploteuses. À quoi tu penses? À hier. Et toi? À demain. Moi, si j'étais journaliste, ce serait grand reporter ou rien. Et qu'est-ce que c'est pour toi, grand reporter? C'est courir de grands dangers. Ah, bravo. Moi, c'est pas tout ça, il faut que j'y aille. Salut, gratte-papier. Salut, pauvre illettré. Plus tard, je t'apprendrai les mixtures. Alors, mon fils, ça va? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. À propos de fils, qu'est-ce qu'on a décidé finalement? Fallait décider quelque chose? Si on dit à Gabriel qu'Antoine n'est pas son père, que son père c'est Jérémy, un Américain. C'est une affaire entre Claire et Antoine. Mais si on lui dit, il voudra connaître son vrai père. Il ira en Amérique et revoir la compagnie. Si on lui dit, il serait peut-être temps d'avertir Jérémy. Sacrée surprise pour lui. Écoute, je pense que le jour où Antoine a été à la mairie pour déclarer Gabriel comme son fils, sa décision a été prise. En tout cas, c'est un bien lourd secret. Si on lui dit, il en bavera un sacré coup. C'est ça? En termes plus classiques, tu peux bouleverser sa vie. Fantastique ce prof! Bonjour les braves! Le journaliste est un combattant. Sa devise doit être maintenant, tout de suite, jamais demain. Il devra lutter au nom de l'objectivité. Et comme leçon, vous me lirez les journaux, vous regarderez la télévision. Et comme devoir, interview d'une célébrité. Ah merde! Tout ce que j'aime! Ce matin en Irlande, une nouvelle flambée de violence a eu lieu après l'explosion hier d'une bombe déposée par l'IRA. Des manifestations ont eu lieu ce matin à Belfast. Tu me vois alors interviewer mon père? Repoussé par l'armée. Un consul, c'est un peu célèbre, non? Ont mis le feu à une voiture. Monsieur le consul, qui êtes-vous dans le fond? Plusieurs arrestations. Quel est l'homme qui chaque matin fait ce superbe nœud de cravate? Le gouvernement britannique. Et vous avez une fille, je crois? Tiens, tiens. Pourquoi faire? Pour l'aimer. Ah, c'est ce qu'on dit. Tiens, au fait, il vient passer Noël avec moi. C'est gay, il va falloir que je range. Dis donc, toi, pour ton interview, t'es vernis? T'as quelqu'un de te trouver? Qui ça? Ben Paul Lébogé, l'écrivain. Tu m'as pas dit que tu le connaissais? Voilà. Ah, non, 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 je ne connais pas ce journal, non. Et vous voulez venir m'interviewer, oui? Non, non, je vous en prie, madame. Ah, pardon, mademoiselle. Quand voulez-vous venir? Mardi, 17h. Bien, je note, mardi 17h, journal Le Voilà.
Bonjour, Paul. Bonjour, Pauline. Voilà. Voilà, c'était moi. Je ne suis pas vraiment journaliste. Il faut que je vous dise, c'est un journal qui n'existe pas. Ah, il n'y a qu'une seule chose importante. Laquelle ? Eh bien, pas de journaliste, pas de journal. Vous, vous êtes bien sûr que vous existez ? Asseyez-vous. Alors, cette interview. Bon. Pourquoi écrivez-vous ? Pour ne pas mourir. Après ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute ? Puis-je vous interviewer, Pauline ? Écrivez-vous toujours. Comptez-vous toujours les lumières. Et Noël prochain, celui qui vient, s'annonce-t-il avec ou sans tréma ? Comment est la vie pour vous, Pauline ? Parfois, je me demande. Dites. Si la vie, ça doit forcément être un combat. Si on est obligé de se battre. De sortir ses griffes. J'ai bien peur que ces griffes, la vie ne se charge de les faire pousser sans vous demander votre avis. Parce que chez moi, vous comprenez, ça serait plutôt le contraire. Presque trop la paix. Alors pour s'envoler, ce n'est pas facile. Si de temps en temps, vous avez envie de vous poser ici, Pauline, n'hésitez pas. On a joué à la marrette dans le secret des contre-jours. On cachait nos premières amours comme nos premières cigarettes. Aidez-moi à sortir des jeux d'enfance, à me passer de mon passé. En conservant mon innocence, aidez-moi, aidez-moi à quitter mon lit trop petit. Si vous m'aimez, il faut m'aider. De rencontrer ma vie. Aidez-moi, aidez-moi à vous faire le dernier chagrin. Conduisez-moi jusqu'au chemin. J'ai envie de rencontrer.